Salut à tous, bienvenue tout le monde sur KO Gaming, c'est KO, on est ensemble pour l'épisode numéro 8 sur Resident Evil 3 Nemesis, toujours en compagnie de Carlos, qui est un petit peu mal en point, toujours suite à l'attaque du premier Hunter, qui m'aura fait mal, je l'ai toujours pas soigné malgré mon spray que j'ai trouvé dans cette salle, mais bon, j'attends le bon moment, je suis encore en faible là, ça me ferait chier de l'utiliser alors que je serais en danger. Voilà, on va retourner là-bas, on a fait le labo, on a fait l'hôpital, pardon, au troisième étage, il nous reste que le troisième sous-sol à faire, du coup, complètement à l'opposé. On a trouvé au troisième une base de vaccins, donc je pense que c'est pour arriver à soigner Jill, qui s'est fait contaminer par le Némésis. Et, moins 3 du coup... Et donc, grâce à Carlos, on va essayer de sauver Jill, qui se repose au beffroi, dans la chapelle. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Les chariots et d'anciens instruments d'observation. Alors déjà... Il y a trois salles, ok, dont un couloir. Qu'est-ce que ces machins qu'on trouve partout? De grandes machines sont encastrées dans le mur. Je comprends vraiment pas ce que c'est ça. Ça doit peut-être exploser, j'en sais rien. Allez. Shaft type M. Oh putain. Il y en a encore un autre. J'arrive pas à le viser. Oh putain. Je le vois pas avec ces putains de... Ah. Putain de camé... Putain! Chier ces caméras à la con! Je suis en faible donc là, pas le choix. Voilà. Donc c'est ces grosses... ces gros hunters là, la dernière fois. Le premier qui m'avait bien... Il m'avait bien touché. Ah, il a des nerfs le deuxième, c'est dingue. Je suis tout seul là, c'est vraiment très crade. Des vases à bec et des fioles, ok. Rien de très intéressant. Ok, on continue. Il y a encore ce machin là. Il y a une porte juste derrière moi. Ok, on va juste continuer là. Oh! Magnifique. Et au final, j'ai utilisé mon spray pile quand il faut. Et j'ai bien fait de garder une herbe rouge avec moi. C'est une herbe rouge que j'ai trouvée d'ailleurs en rentrant dans l'hosto. C'est quoi ce coffre là? C'est fermé par un verrou complexe, impossible d'ouvrir. D'accord. Et donc la dernière salle du niveau moins 3. Super. Là, c'est là où ils sont entreposés tout simplement. Ah bah bravo Umbrella, hein. Génial, hein. Et Raccoon City aussi d'ailleurs, qui encourage ça. Attendez,
c'est quoi ces espèces de frigos là dégueulasses? Non, rien. Biohazard. Base moyenne. Il fabriquait des produits chimiques ici. D'accord. J'imagine que les incubateurs pétés, ça correspond à ceux que j'ai. Il y en a deux là. Oh putain, c'est un tour gamma ça, c'est pas la même chose. Ah, il y en a deux. Putain. Instruction médicale. Service médical d'Umbrella, division nord-américaine Douglas Rover. Pour activer le synthétiseur qui permet de cultiver le vaccin, veuillez suivre la procédure suivante. Alimenter le système en énergie. Verser une base moyenne dans l'appareil. Dès que l'appareil est prêt, vous pouvez commencer la préparation du milieu du vaccin. Pour ce faire, il vous faut manipuler les 5 leviers qui contrôlent le niveau des deux jauges. En plaçant ces deux jauges au milieu, vous déclenchez la production automatique du milieu du vaccin. Ok. Moi j'imagine que c'est ça. C'est quoi le renfoncement à droite là? Ah bah il n'y a pas de renfoncement. Pardon, j'ai rien dit. Le courant est coupé. Très bonne idée de faire ça, mais bon. À base moyenne. Alors, utilisation du synthétiseur. 1, 2, 3. Ah, je suis pas loin, hein. Ah, ça y est. Milieu du vaccin. Bon, vous allez voir que dès que je vais partir, ça va être l'armada. Vaccin. Allez, ben, j'ai plus qu'à retourner voir Jill, hein, j'imagine. Casse de là. Oh bah t'es un quête surprise. Mais rentre! Putain! Je reste pas là. J'aurais dû regarder mes vies avant. Merde, quel con. Ça va. Putain. Aïe.
Oh, ce qu'ils m'ont mis! Oh, les bâtards! Oh, j'aurais dû leur tirer dessus, putain de merde. Oh, j'ai pas vu venir! Mais tellement pas! Ah, oh, j'aurais dû tirer, bon sang! Bon, et eh ben allez, on est reparti. Oh, on était bien parti, bon sang, on fait chier. Oh, et puis ce système de sauvegarde, ça c'est vraiment insupportable. Et dans Code Veronica, on va encore bouffer ça. Ah, c'est pas possible. Bon, et ben allez, on reprend. Bienvenue sur KO Gaming, c'est KO. Vous êtes sur Resident Evil 3. Hop, on n'a rien vu. Oui. Bon. Ah, je suis emmerdé. C'est vraiment pas cool. On est reparti. Putain. Puis l'énigme, je m'en rappelle plus en plus, hein, laquelle j'ai appuyé. Sinon, c'est pas drôle. J'ai l'oreille qui me gratte, évidemment. Alors. Il est déjà mort? Qu'est-ce qu'il fait? Allez, débugue-toi! Allez, viens là, bon petit. Allez, tu y es presque. Mais ça sert à rien d'aller vers l'armoire. Il va falloir que je m'approche. Ils font chier. Oh putain. Oh, ce qui m'a... Le mec, il a attendu que je vienne jusque-là. Non, mais c'est une blague. Oh là là. Oh, c'était magnifique hein, d'un côté. Hein. Ah là, ça peut rentrer dans des beaux fails de KO Gaming, ça. Magnifique. Ah, pourtant, j'aime vraiment pas crever, mais alors là, le revers de la griffe là. Putain, magnifique. Non, c'est même pas magnifique, c'est magistral là. On aurait dit un ninja quoi. Putain, je crois que c'est ma plus belle mort. Bon, bah, c'est comme la dernière fois, hein, on régresse. Hein. Putain, c'est pas possible. L'herbe bleue. Oh,
j'ai 4 hunters rouges et 2 hunters gamins quand même. Ah, mais j'étais tellement bien parti tout à l'heure, encore une fois. Putain, les épisodes se suivent et se ressemblent, hein, et pourtant, je filme pas à la suite. C'est dingue quand même. Pourquoi? Pourquoi tant de haine et de cruauté? Ah, il y a 2 ennemis par salle en fait, hein, à part là, c'est tout. L'allée, le couloir à l'allée, il vous laisse tranquille, mais alors après... Putain. On va passer par là. Putain, allez, tu vas pas me refaire la même. Oh non, pourquoi t'as reculé? Putain, t'étais bien. Oh putain. Vous sentez le remake là? Ah bah j'ai eu le dispositif. Ah bah très bien. Ouais, donc ça explose bien ces trucs, hein. Ok. Bon à savoir. Allez. Non. Allez, on continue. Oh, putain, je me rappelle plus de l'énigme. Alors là où il n'y avait rien, là on va prendre le machin moyen. Base moyenne, ouais, c'est ça. On va prendre le document qu'on a déjà lu. On va éteindre ça. Alors. Ah oui, c'est vrai, putain. Alors. Je crois qu'il y avait le B. Et le 3. Non, c'est pas ça. J'aurais dû regarder, bon sang. Un 3B. Ok. Allez, on se casse de là. Mal tourné, bon sang. Mais non! Putain, j'ai encore fait de la merde! Plus que tout à l'heure en plus. Hein. Je suis en faible. Non, je suis en ok, mais bon. Bon. Allez, la vengeance. Enfin, la revanche. Ah putain! Je suis toujours en vert.
Pourquoi il vient pas? Fumier. Ok. Foutons le camp d'ici. Je vais synthétiser l'antidote. Voilà. Enfin, le vaccin plutôt. Allez-y. Rez-de-chaussée. Plus de zombies en centaines, c'est bon. Sauvegarder du coup. Hop. Oui. Bon. Eh ben, on n'a plus qu'à aller revoir Jill. Avec l'hosto, enfin, normalement. Allez hop. Oula. Eh ben, il était temps que je sorte. Ah bah, il n'y a plus d'hosto là, ça y est, fini. Et du coup, le zombie qui restait, il a dû se faire avoir. C'est fermé par un verrou simple, tiens. Il faudra penser à prendre le crochet, du coup. Bien d'avoir vu ça, K.O. Alors, allez, bon, on retourne au beffroi. Oh, putain. Oh, ces merdes-là. Mais il y en a partout, en plus. Les araignées. Ah, c'est vraiment immonde. Ok, ça c'est bon. On retourne par là. Là, on n'a plus qu'à traverser ça. Ça s'appuie encore. Mais c'est notre copain! Je reste pas là, moi. Là-dedans, fais pas chier.
Ah, le Némésis, quoi. Et revoilà notre coquinou. Jill. Je t'ai soigné. Hey, are you okay? Yes, barely. What's going on? No way! That monster just doesn't give up. En tout cas, il est plus avec sa tunique. No, it's been waiting for you. He's playing with us. Carlos, do you think that it's unstoppable? Bah, ce serait cool, oui. No, I don't think so. J'aime bien parce qu'il dit non, je ne pense pas, et la traduction dit oui. Oh, and bad news. Nikolai is still alive. Nikolai, are you sure? Yes. I don't know how, but I do know that he is our enemy. Remember, don't trust him. Bon, je vais reprendre les commandes de Jill, du coup. Il s'est barré encore. Je reçois pas de trucs de la part de Carlos. D'accord. Sympa, Carlos. Il me reste une grenade. Alors attendez, on va se préparer. Voilà, voilà. Je vais prendre. Je vais le faire, moi, ce con. Il veut m'emmerder. On va être deux, hein. Je les ai déjà, c'est bon, le ruban. Tu veux jouer? On va jouer, mon gars. Pas de problème. On va nous emmerder, celui-là. Très mal me connaître. Par contre, ce que j'espère, c'est que les dommages que j'ai créés avec Carlos se seront pris en compte. Oui, c'est bon. Allez, à nous deux, petit con. Aïe! Toujours plus. Ah non, elle est... Il ne laissera pas me relever, hein, ce bâtard. Aïe! Mais trois plombes à se relever. Du coup, il m'enchaîne trois fois le fils. Et c'est bon le déchiquetage là. Oh. Bon. Et si on essayait les grenades acides là, enfin, ou azote, les grenades azote. Que le magnum c'est bien, mais il recule pas. Oh, mais que c'est chiant ça, de se revoir se retaper l'espèce de petit trailer et revenir dans le menu principal. Ça, mais pourquoi?
pourquoi faire ça? Tu peux pas juste me ramener à la machine à écrire, ça c'est trop te demander. Mais non, faut que ce soit complicado. Allez, j'en suis à 30 minutes. J'ai juste les rubans à re-ranger. Oh, et puis ils nous remettent la phrase. Vous vous rendez compte, on est obligé de se prendre le game over. On est obligé de se prendre le petit trailer, le chargement de la partie, plus leur phrase. Et en plus, je suis obligé de re-ranger les rubans. C'est une cata, ça. Non. Ça, c'est dans le menu, je veux faire. Allez, voilà ce que ça donne. Seulement, ça pouvait le ralentir. C'est ça que je demande. Oh, mais... Ça m'a pas empêché de me choper. Ah, j'ai pas eu le temps, putain! Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je peux faire ça. Mais merde, fallait que je recharge. Il m'en restait une en plus. Fumier. Allez, je suis largement gagnant. Est-ce que je peux les combiner? Non. Fumier. Oh la vache! Ah, elles étaient quand même pas mal les grenades azote, hein! Alors. Ok. Ok. Là, par contre, je me suis fait le plein de spray du coup. Et je vais re-sauvegarder, hein. C'est immanquable. Lance-grenade pour l'instant, j'en ai plus besoin. On va remonter tout ça là. Puisque mine de rien, les ressources se vident. Ça, je vais le garder avec moi. Là. On a un verrou simple, je vous le rappelle. Ok. Il faut que j'équipe un flingue quand même. Là. Oui. Désolé pour les sauvegardes, mais vous avez vu comment c'est, hein.
c'est insoutenable. Eux, ils sont impardonnables, donc j'assure mes arrières. Allez, hop. Ok. Je crois que c'est la première fois que je le bute, hein, celui-là, ici. Non. Si je regarde le plan, là... Ouais, ici, c'est niqué. La cour extérieure, c'est foutu. Ah, tiens, ça, c'est marrant, ça. Il n'y a plus de chargement, ça communique. Ça veut dire que des fois, ils sont capables de charger des environnements un petit peu plus huppés que les salles qu'ils ont préchargées. C'est intéressant, ça. Ok. Ici, il n'y a plus rien qui nous intéresse. On va se casser du beffroi. Qu'on a complètement détruit de A à Z. Il va falloir qu'on repasse devant les araignées. Pas le choix, à moins qu'elle soit bousillée, ce serait chouette, mais il faut pas rêver. Ah, quoique. Vous voyez, je vous avais dit, hein. Qu'il y avait des choses. Ah, mais elles ont viré, c'est très bien ça. Il y avait juste ça, mais bon. C'est pas mal quand même. J'ai bien fait d'attendre les allers-retours à la con là. Comme ça, ça m'a évité de me faire piquer. Bon. Allez, on va utiliser le crochet simple. Oula. Zombie. Ok. Hop, 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 te coince pas. Franchement, le pistolet amélioré, c'est une tuerie. Hein. Oh. Vivant, toi. Voilà. T'as plus de chances de faire du one shot en plus. Nickel. La petite croix rouge. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une petite pièce. En mode réserve, ce serait pas mal si on trouvait pas mal de choses. Ah, bah, t'as. Parfait, comme ça je vais pouvoir ranger les grenades. On va peut-être pas sauvegarder, hein, faut pas déconner non plus, mais. À moins qu'on me donne des rubans à la limite, mais bon. C'est quoi ça? Clé parc. Ah donc vous êtes obligé de passer par là, d'accord. Ça semble cassé, ok. Mine. C'est vrai que j'ai pas testé encore le lance-mine, mais bon. Il me tente pas plus que ça. Oh, mine de rien, on progresse bien là. Oh, bah, des rubans en plus, allez hop. Ok, bon, bah écoutez. Progresse vraiment beaucoup quand même. Ça fait plaisir. Voilà. Le crochet, bah, on va le ranger. Les grenades. J'en avais pas en réserve, je pense pas. On va
les recharger. Ce sera fait. Voilà. Ouais, je pars du principe qu'il sera pas là avant un petit moment, notre ami Némésis. Là, on est à combien de minutes là? 40 minutes quand même. Hein. Allez, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête ou est-ce que je continue un peu? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, attendez, on va pas l'utiliser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu débroussailler le parc et on reviendra ici. Ça me semble pas mal comme alternative. Allez, on va faire ça. De toute façon, j'ai nettoyé tout l'avant, là. 40 minutes, ça fait un épisode un peu court quand même. Allez, allons au parc de Raccoon City. Quoi? T'en as pas besoin? Bah si, t'en as besoin. Alors par contre, je n'ai pas le plan de ce parc. Ah, déjà, il y a un copain. D'accord. Oh putain! C'est qu'un copain, ça! Mais... Oh, les saloperies! Alors, attends. J'arrive à l'avoir avec le flingue. J'arrive pas à le choper. Je vois pas, bon sang. Il est en bas. Fight ça. Ok. Bon, on va pouvoir explorer maintenant. Allez, putain. Déjà, se débarrasser de ces deux gros machins là, ça fait un poids en moins, mine de rien. Alors, on a quoi là de ce côté là? On a. D'accord, on a une espèce de chemin. Si ça continue pas, par contre. Et l'autre côté, on a une porte. Oh, jolie vue. Bon, et ben allons-y, hein. C'est quoi ça? 44 minutes. D'accord. Ça semble être encore en construction par ici. Oh! Mais c'est le jackpot ici! À mon avis, il va falloir vidanger l'eau. Hein.
s'il y a des plantes bleues, il va y avoir du Domios. C'est sûr. Ok. Oh oui. Alors qu'est-ce que c'est ça? L'aspect de la fontaine dépend de l'association des engrenages. Ok. Le panneau de commande de la fontaine. Soulevez le couvercle. Ok. Alors on va essayer blanc, noir, noir, blanc. Et le vide à gauche. Blanc, noir, noir, blanc. Alors à mon... essayer autre chose, on va essayer de le premier noir noir blanc blanc, c'est un noir blanc noir blanc. Ben, c'est celui que j'ai fait. Con quoi. Ah non, il s'est remis en... D'accord. Bon, on va essayer les autres. Hein. Noir, blanc, blanc, noir. Voilà, noir, blanc, blanc, noir. Ouais, bon d'accord, mais GG tout ça hein. Ça me sert à quoi? Ah bah voilà, vider le bassin conformément à l'illustration. Blanc noir, blanc noir, blanc blanc noir noir. J'ai déjà fait ça. Ah non. Non, c'est pas ça que je voulais. Alors.
Non, je suis trompé. Évidemment que rien ne se passe. C'est mis sur start, alors je voulais pas. Voilà, blanc noir, blanc noir. Parfait. C'est exactement ce que je voulais. Allez, on se casse de là. Alors, ce qu'on va faire la prochaine fois, là, on va retourner à la salle de sauvegarde. On va vider toutes ces plantes, là. Ce qu'on va faire la... Il n'y a pas d'autre ennemi, c'est bon. Ce qu'on va faire la prochaine fois, c'est qu'on ira dans l'autre passage, voir ce qu'il nous demande. Voilà, comme ça au moins, enfin ce qu'on trouve plutôt. Comme ça au moins, on sera tranquille des deux côtés. Là, j'ai ouvert un passage avec une énigme, donc il y a quand même de grandes chances que ce soit le passage qui suit le déroulement du jeu, si vous voulez. Allez, hop. Bon, mine de rien, on s'approche dangereusement de la fin quand même, hein. Allez, putain. Alors, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai du rouge, j'ai du bleu et j'ai du vert. On va faire rouge, bleu, vert. Voilà. Bleu, merde. Bleu. Le fer, voilà. Hop. 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 Et hop. Voilà. J'ai pas de spray, hein, on est d'accord, de spray simple. Non. Là. Ok, je fais mon mélange maintenant, ce sera fait. Parfait. Et j'ai plus que la sauvegarde à faire. Voilà, les casiers, je les avais regardés. Et non. Mais qu'est-ce que je trouve comme mine? Bon, bah, j'ai bien fait de regarder. On va les poser immédiatement. Alors, dites-moi si l'efficacité du lance-mine est pas mal. J'ai pas vraiment envie de l'essayer. Mais bon, de toute façon, si j'ai plus d'armes, faudra bien à un moment donné. Hein. Photo E. Tiens, je l'ai pas trouvé non plus. Allez, donc, les zombies attaquent. Ok. Bon bah nickel, tout ça. Je trouve que ça se profile très très bien. Bon bah j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker comme d'habitude. À vous abonner à la chaîne. Et nous on se dit à bientôt pour la suite des aventures de Resident Evil 3 Nemesis. Allez, salut à tous et portez-vous bien.